là la première édition de Tribe. Je te remercie d'être encore là. Je laisse la place à Sur Iskien. Bonne soirée. On a eu un modèle où on s'est dit, bah voilà, on va facturer nos collaborateurs à 75% de leur temps et on va utiliser 25% du temps sur des projets de R&D, sur de la formation ou sur d'autres choses, sur des échanges, du partage et ce genre de choses. Et on s'est dit qu'avec ça, on aurait une équipe beaucoup plus forte. Un entrepreneur social ne se contente pas de donner un poisson ou d'apprendre à pêcher, il n'est satisfait que quand il a révolutionné toute l'industrie de la pêche. Et ce qu'il y a le plus de facile, c'est de finalement écouter les jeunes. Donc moi j'ai 31 ans, et quand je regarde cette génération qui aujourd'hui prend les commandes, ne nous prennent pas les rênes, mais construisent leurs commandes et les prennent, et ben je suis sidéré. Dans ce dessin, toute ma vision de bouger les lignes d'entreprise est réunie parce qu'avant tout, il y a un socle. Il y a un socle qui on est. Et puis après, ça monte. Alors il y en a qui montent tout droit et puis il y en a qui vont un petit peu à gauche, puis qui vont en plus et puis il y en a même qui sortent du cadre. Et c'est super important de savoir sortir du cadre et pas avoir peur. Mais tout ça va quand même dans une direction qui est l'intention, notre intention commune. Et au milieu de tout ça, ben voilà, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est elle. Et puis c'est encore plus loin, c'est de l'envie, des larmes, du rire, de l'énergie. Le fondateur ou le manager ou le leader, il est l'ADN de son groupe. Qu'il en ait conscience ou pas, il infuse un état d'esprit, de l'état d'esprit des comportements, et je crois même dans l'agence des créations. Et donc c'est important à la fois d'avoir conscience de ce que tu dégages, et puis qu'on aille chercher quels sont tes talents. Puisqu'on dit qu'il faut s'ancrer profondément en soi, c'est quoi ? Qu'est-ce qui te met en énergie? Qu'est-ce qui fait que quand tu es dedans, tu te sens fort, tu te sens bien, c'est naturel, tu es dans le flux et c'est pas nécessairement tes compétences. Merci d'être venu, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je sais que vous avez attiré aussi avec moi les amis.